Les 16 personnes qui sont derrière moi ne se sont jamais rencontrées. Et pourtant, elles vont participer ensemble à l'aventure la plus intense jamais organisée. Dans cette expérience sociale, il n'y a pas d'épreuve, pas de vote et surtout pas de règles. Tous les coups seront permis pour remporter les 500 000 dollars de récompense. Pour partir d'ici, il faut abandonner et quitter le jeu. Il y a 8 heures, ils ont quitté Londres à bord d'un jet privé sans savoir où ils allaient. Et maintenant, l'aventure commence. Vous pouvez enlever les bandeaux. Cher candidat, vous vous apprêtez à participer à une aventure tout à fait unique en son genre. En effet, vous devez savoir que jamais rien de ce style n'a été tenté auparavant. Et pour cette aventure, voici votre terrain de jeu, l'un des lieux les plus inhospitaliers au monde. Soyez les bienvenus en Sibérie. Partez d'ici dans n'importe quelle direction et vous devrez traverser 800 km de forêt dense. Nous sommes si loin de tout qu'il n'y a pas de route pour relier les villes entre elles. D'ailleurs, ces villes ne sont accessibles que par hélicoptère. Vous avez renoncé à tout confort moderne et vous allez tenter de vivre ici comme on pouvait le faire il y a 100 ans. Votre but ? Survivre jusqu'à la fin de l'hiver. Si jamais vous y arrivez, vous aurez gagné 500 000 dollars à partager entre ceux qui n'auront pas quitté la compétition. Pour cela, faites ce que bon vous semblera. C'est à vous de voir. Pendant toute cette aventure, vous allez évoluer sans qu'on vienne interférer avec vos décisions et sans qu'on vous aide. On vous abandonne ici avec une équipe chargée de filmer tout ce qui vous arrive. Le monde que nous connaissons tous n'existe plus. Vous allez devoir l'oublier et créer une nouvelle civilisation. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Oui. Bien. À 3 km à l'est d'ici, se trouvait un minuscule village. Il s'agit d'un avant-poste où les marchands de fourrures venaient troquer leurs produits jusqu'à ce qu'un jour, en 1908, on découvre que ce village avait été déserté. Le feu était toujours allumé. La nourriture toujours en train de cuire, mais les 14 habitants avaient mystérieusement disparu et n'ont jamais été revus depuis. Nous avons reconstruit ce village exactement comme il était il y a environ une centaine d'années. Bien sûr, nous espérons que vous ne subirez pas le même sort que les habitants de l'époque. Dans la forêt, vous trouverez des drapeaux rouges qui reconstituent le chemin qu'empruntaient les marchands de fourrures pour rejoindre le village. Malheureusement, à l'issue de cette journée, seuls 14 d'entre vous pourront rester. Les deux derniers arrivés seront renvoyés chez eux immédiatement. Allez là-bas le plus vite possible et trouvez-vous un endroit où vivre. Ce sera votre maison pour toute la durée de l'aventure. Vous avez fait ce qu'on vous a demandé. Vous avez pris dans vos bagages tout ce qui vous semblait nécessaire. Mais finalement, il y a un changement. Dans cette émission, vos bagages ne vous suivront pas. Vous devrez vous débrouiller avec les vêtements que vous portez. Oh. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 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 Alors que le jeu commence, c'est parti! C'est en Sibérie qu'étaient installés les goulags, des camps de travail forcé. Il n'avait pas de clôture dans la mesure où s'échapper dans cette forêt n'avait aucun sens. Cette région s'appelle la Vallée de la Mort. C'est à Tunguska qu'est survenu l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire contemporaine. Et la plupart des habitants de cette région considèrent que cet endroit est maudit. Ce sera fascinant car nous allons voir si les participants sont suffisamment forts physiquement et mentalement pour tenir le coup. Mesdames et messieurs, voici Sibéria.
Quand Jonathan a crié, c'est parti. J'étais prise par surprise. Je suis restée derrière un bon moment. Du coup, j'avoue que j'avais un peu peur. Ce type, Johnny, il est vachement rapide. Quand je suis parti, il était déjà devant moi. Et je savais qu'il fallait pas que je le laisse me distancer. Parce que si j'étais l'un des deux derniers, c'était terminé. Je suis arrivée à un drapeau et tout le monde suivait le chemin qui semblait le plus évident. Celui qu'on distinguait le plus facilement. Je pense que dans ce genre de jeu, le plus important, c'est de réfléchir par soi-même. Soit on suit les autres, soit on va de son côté. Elle courait plus vite que la plupart des mecs. On aurait dit une espèce de guerrière viking ou une princesse. C'est un peu pour ça que je la suivais. Quand on a enlevé les bandeaux et qu'il a dit c'est parti, j'ai regardé autour de moi pour trouver les drapeaux. Il y a un type qui courait derrière moi et qui était plutôt proche, mais j'ai laissé tous les autres loin derrière. On avait toujours nos vestes parce qu'on venait de prendre l'avion. Du coup, on crevait de chaud. En plus, on était crevés. Il y a deux garçons devant. Oui. Les autres ont pris un raccourci. Il manque des gens. Carolina me dit quelque chose. J'ai l'impression de la connaître. Mais je sais pas d'où. J'ai entendu Nico tomber dans l'eau. Je pense qu'il a même dû nager un peu. Allez, dépêche-toi. J'ai pas fait un aussi bon départ que les autres. Ah, attendez. Attendez. Oh, ça fait super mal. Il était tombé, alors je suis venu l'aider. Il s'est appuyé dessus. Juste un peu. Vaut mieux éviter, en fait. On y arrivera, tu vas voir. Je trouve ça très noble de la part de Thomas d'avoir pris le temps d'aider quelqu'un d'autre tout en sachant que ça pouvait lui coûter sa place dans le jeu. C'est super d'être gentil. Seulement, faut pas oublier qu'on joue les uns contre les autres. Et bien sûr que j'ai fait ça pour qu'ils se perdent. C'est comme si ce drapeau m'avait supplié de l'arracher et de le jeter au loin. Tu fais ? Tu crois qu'on a le droit ? On a tous envie de gagner, mais c'est important de respecter les règles. Je pense que dans la vie, il faut essayer de gagner, mais sans tricher. Et la vie vous récompense. Quand je suis arrivé, c'était comme si j'avais marqué un but. Et je suis rentré direct dans une cabane. Je prends celle-là. Je sais que certains font des chichis parce qu'ils viennent de la ville. Mais moi, je me sens bien ici. J'ai grandi à la ferme, alors je suis pas dépaysé. Je dirais même que je me plais bien. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait Sabina, assise sur le lit. Alors, t'es arrivée la première? Comment elle a fait? Pour être là avant moi. Là-bas, il y a un passage. On a dû traverser une eau boueuse. On voyait même pas ce qu'il y avait au fond. Vous savez nager ? Fais attention ! Ah, c'est dégoûtant ! Je cours pas vite et les deux derniers arrivés au village rentrent chez eux.
Pourquoi il nous faut passer par là? C'est le pire chemin du monde. On devait être deuxième et troisième. En tout cas, on était dans les premiers. Zut! Je suis sûre qu'il y avait un drapeau par là. Tu sais où on va, là? Je le croyais. On courait et on était sur le bon chemin. Et tout d'un coup, autour de nous, il n'y avait plus que de la forêt. On est déjà passé par là. Bon, il n'y a qu'à faire demi-tour. On était perdus, ça vous le savez déjà. C'était un peu décevant, mais bon. Ah! Pas mal, en fait. Quand on est arrivé, j'ai été incroyablement soulagée. J'étais tellement heureuse qu'on soit enfin arrivé. Chérie, je suis rentrée. Comment ça va depuis tout à l'heure? C'était de la folie. Et ça l'était encore plus quand j'ai vu les deux cabanes. C'était un bon moment. Ça nous a fait du bien d'arriver jusqu'aux cabanes, surtout après le super parcours qu'on venait de se farcir. J'étais vraiment impressionnée par les logements qu'ils nous ont donnés. Quand j'imaginais l'endroit où on vivrait, je pensais qu'on dormirait peut-être dans des petites huttes. Mais en fait, c'était un joli petit endroit avec tout ce qu'il faut. Je prends ce lit si ça vous dérange pas. C'est pas mal. Je prends celui-là. T'as été super vite. Comment tu t'appelles? Sabina. Bonjour, moi c'est Carolina. Enchantée. Moi aussi. Alors, je vais prendre celui-là. Il n'y a que deux garçons de l'autre côté. Et là, on est 9 ou 10. Donc, il manque encore 4 ou 5 personnes. On est combien en tout? Au départ, on était 16. Quelqu'un s'est blessé en chemin? Ah ouais, je crois. Ouais, et tu sais, le petit jeune qui portait des lunettes. Je crois qu'il s'est tordu la cheville. Pour moi, c'est la sélection naturelle. Ça nous fait un rival de moins. Personne n'en avait quoi que ce soit à faire de moi. À part Tommy qui est revenu me chercher, je lui disais, faut mieux laisser tomber. Tu peux pas me porter jusqu'aux cabanes. On sait même pas si c'est loin. Quand on arrivait au marécage, Daniel me disait de le laisser, mais on savait même pas où on était. Je l'avais déjà porté au moins 1 kilomètre. J'allais pas le laisser juste parce qu'il y avait un peu d'eau. Au point où j'en étais, autant aller jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était possible qu'on n'arrive pas au village à temps. Je suis sûr qu'on est perdu. Non, pas du tout. C'est lui qui a choisi de me suivre. Moi, j'ai rien demandé. J'ai trouvé! On a décidé de retourner là où on a quitté le groupe. On cherchait un drapeau, mais on le trouvait pas. Et au bout d'un moment, on a fini par le trouver par terre. Quelqu'un l'avait enlevé, mais au moins on l'a trouvé. Là-bas, viens! Donc il y a L2, le type arrogant. Et je crois que Sabina est dans la forêt. Les filles dorment toutes dans une maison où il y a 6 places. Et la nôtre, c'est pareil. On est 12 en tout. Il reste un lit là-haut. Et il reste 3 garçons. Donc il y en a 2 en trop. Ils dormiront par terre. C'est clair. Esther a fait quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Elle a retiré l'un des drapeaux et elle l'a planqué. Je sais qu'elle n'a pas fait ça pour moi, mais ça m'a bien rendu service. L'important, quand on vit dans la nature, c'est de garder les pieds au sec. Ouais. J'avais super mal, mais il faisait tout pour me rassurer et il me répétait qu'on allait y arriver. Ça va? Ouais, t'inquiète. Elle court vraiment super vite. J'ai pas mal joué au football et par moments, j'ai vraiment galéré pour la suivre. Il y avait une grande blonde avec... Il y avait 5, 6, 7, 8, 9... Oh, regardez là-bas! Venez voir! Qui? Oh, regardez là-bas! Venez voir! Ils sont 2. Ouais! Ils ont réussi! Venez, on va les aider! Ouais! Oui!
Ça a fait du bien d'arriver aux cabanes. Je suis si vous voulez. George, tu veux pas prendre la place de Victoria? Ça m'a motivé qu'on soit pas les derniers. Je me suis dit que si j'arrivais à soigner ma cheville, au moins je pourrais participer au même titre que tous les autres. Content de vous voir. Emmenez-le dans la cabane des garçons. D'accord. Pour moi, on était forcément les derniers. Il y avait beaucoup de monde quand on est arrivé. On va le mettre par là. On peut se poser sur un de ces lits? Ouais. Et voilà. Fais gaffe à ton pied. Il l'a porté jusqu'à la fin du parcours, ce qui, à mon avis, était une idée particulièrement stupide. Salut. À quoi ça sert d'aider ses adversaires? Mais bon, c'est un mec sympa. Apparemment, c'est important pour lui. Seulement, c'est pas ça qui l'aidera à gagner. En effet, j'aimerais bien gagner l'argent pour pouvoir aider les autres. Je veux créer une association humanitaire. Et ce serait un excellent point de départ. C'est malin. Grâce à ça, tu sais que tout le monde va avoir pitié de toi. C'est vrai. En tout cas... T'as raison. Je sais pas si tu fais semblant, mais ce serait très intelligent. Tout le monde est là? Salut. On est les derniers? Quand je les ai entendus dire ça, j'ai compris que c'était pas une bonne nouvelle pour nous. Vous étiez où? Je sais pas, on s'est perdu. On savait pas où on allait. Vous êtes parti vers où? J'y crois pas. Au moment où tout le monde s'est dirigé vers le champ, nous, on a pris de l'autre côté. On a passé un moment à tourner en rond, on n'arrivait pas à trouver le drapeau. On a fini par le retrouver, il était par terre. Ah. Je suis désolée. Désolée. Quand je me suis rendu compte qu'on était les deux derniers à arriver aux cabanes et qu'on allait devoir s'en aller, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment mis en colère parce que ça fait des mois et des mois que j'attends de participer à cette émission. J'avais carrément pas prévu de quitter le jeu dès la première semaine. J'ai l'esprit de compétition, je travaille dur et je lâche jamais l'affaire. On a passé notre temps à chercher vers où on devait aller. On a pris nos dispositions pour venir. On a fait le voyage jusqu'ici. Et donc je dirais que... c'est super décevant. Salut. Salut. Content de voir que tout le monde se porte bien. Est-ce que vous pouvez vous rassembler rapidement, s'il vous plaît? J'aimerais m'adresser à tout le groupe. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter d'être arrivés à votre nouvelle maison. Malheureusement pour eux, deux d'entre vous n'ont pas été suffisamment rapides. Comme je vous l'ai dit, il y a une centaine d'années, certains colons se sont blessés durant le voyage et n'ont jamais pu arriver jusqu'ici. Berglind, Aprit, avancez s'il vous plaît. Dites au revoir à vos amis. Vous partez. Désolé. Je compte sur vous pour gagner. Bonne chance. Au revoir. C'est vraiment la loose. Si je pouvais revenir en arrière, c'est clair que je quitterais pas le groupe. Malheureusement, on peut pas remonter le temps. On est obligé d'aller de l'avant. J'ai fait de mon mieux et quand j'y repense, je me dis que j'ai été stupide de me lancer dans une direction différente de celle que prenait le reste du groupe, mais j'assume la décision que j'ai prise. On voudrait gagner à chaque fois, mais quand c'est pas le cas, on doit l'assumer et s'en aller la tête haute. Pour les 14 personnes qui restent, ce village va devenir votre lieu de résidence aussi longtemps que vous supporterez d'y vivre. Derrière moi se trouve le révélateur. Cette énorme boîte s'ouvrira ponctuellement pour vous offrir un objet qui vous aidera à survivre. Ce sera à vous de voir ce que vous en ferez et qui conservera cet objet. Si jamais vous voulez partir, ou si vous avez besoin d'aide, au bout du chemin que Berglind et Aprit viennent d'emprunter, se trouve une zone sécurisée munie d'un bouton permettant d'appeler un hélicoptère. À partir du moment où vous franchissez la ligne blanche, vous quittez automatiquement la compétition. Surtout, n'oubliez pas, dans ce jeu, il n'y a pas d'équipe médicale sur place. Le seul moyen d'obtenir de l'aide
c'est d'aller dans la zone sécurisée et d'appuyer sur le bouton. C'est la seule et unique règle. Il n'y a absolument aucune autre règle dans cette émission. Chers migrants, bienvenue en Sibérie. Franchement, j'aurais préféré qu'il y ait davantage de règles. Mais d'un autre côté, si on a tous accepté qu'il n'y ait absolument aucune règle, alors c'est comme ça. Ça ne me dérange pas plus que ça. Après avoir observé tout le monde, je pense que j'ai un avantage sur les autres. Sur pas mal de points. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à tout pour gagner ce jeu. Moi, j'ai aucun scrupule. Je suis pas du genre à m'en prendre aux autres ou à les voler. Je dirais qu'en général, j'essaie d'être honnête avec les personnes qui sont autour de moi. Je suis incroyablement timide, du coup c'est compliqué pour moi de faire des alliances. Mes potes m'appellent le fantôme. Il n'y a aucune règle. Pour moi, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise, mais c'est intéressant parce que tout peut arriver. Le fait qu'il n'y ait pas de règles, ça nous oblige à être vigilants sur tout. On doit s'occuper de tout, que ce soit notre nourriture ou nos vêtements. Notre survie dépend de nous, et il n'y aura personne pour nous dire ce qu'on peut faire ou non. Ça risque de poser problème quand on n'arrivera pas à tomber d'accord. Il n'y aura pas d'élément d'autorité pour faire appliquer les règles et nous départager. Je pense que le pire, ce serait que ça se passe comme dans Sa Majesté des Mouches. Il n'y a que 6 lits ? Oui, quelqu'un va devoir dormir par terre. Moi, je dors pas par terre, ça c'est sûr. Je préfère prévenir tout de suite. À ce moment-là, j'ai pensé 1-1-1. Ça va pas être possible. Ça me paraît plus juste que celles qui sont arrivées les premières aient droit à un lit. C'est aux autres de faire un effort. T'es resté dehors à parler aux autres et ça me pose aucun problème. Mais tu peux pas débarquer ici au dernier moment et exiger un lit, non? Est-ce que vous m'avez entendu? C'était pas clair quand j'ai dit qu'il n'était pas question que je dorme par terre? Eh ben, il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, mais ce sera pas moi. Pourquoi ce serait pas toi? Elle s'est énervée contre elle. Apparemment, Esther n'a pas l'habitude de dormir sur le sol. Pour moi, c'est pas particulièrement grave. Au moins, on dort à l'intérieur de quelque chose et pas dehors dans la forêt. Tu dis que les lits sont pour celles qui étaient là les premières. Et je t'ai dit que c'était mon cas. Ça veut dire que tu ne me crois pas? Le truc, c'est que personne t'a vu ici. Est-ce que vous l'avez vu, vous? En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Si l'une d'entre vous a envie de se sacrifier, qu'elle ne se gêne pas. Mais moi, je ne dors pas par terre. Écoute, pour cette fois, va falloir que tu fasses un effort. Je ne dormirai pas par terre, chérie. C'était sympa d'apprendre à faire votre connaissance. Bon, je vais m'arranger avec les garçons. Évite de me pousser à bout. J'étais mal à l'aise pour Irène parce qu'elle essayait juste de se défendre. Esther a beaucoup de caractère et elle n'a pas été tendre avec Irène. D'ailleurs, au final, quand Esther a pris la décision d'aller dormir dans la maison des garçons, la pauvre Irène a eu du mal à encaisser le coup. T'as pas à te sentir coupable, d'accord? C'est juste que... c'est le tout début de l'aventure et j'ai pas envie de me faire d'ennemis. T'en fais pas. Franchement, ça m'a énervée. Enfin, ce que je veux dire, c'est ouais, que à leur sais. Place, j'aurais proposé de partager mon Mais lit. Ici, on a exactement le même problème. On a 6 lits et on est 7 mecs. Tu fais comment? Moi, j'ai un lit. J'ai dit que je le prenais dès qu'on est entré. Est-ce que tu veux qu'on partage mon lit? Écoute, si t'es d'accord pour que je dorme avec toi, je te promets que je me comporterai de manière convenable. Tu me le promets? Je pense qu'Esther est vraiment super bonne. Et elle m'a choisie. Ça me rend super fier qu'elle dorme avec moi. Je tiens à ce que les autres garçons le voient. Je veux qu'ils soient jaloux. Ça les rendra plus émotifs et plus faibles. Est-ce qu'il y a de l'eau dans ces barils? Non, ils sont tous vides. Il n'y a rien là-dedans. Faut aller en chercher. Super.
C'est quoi? Je sais pas. C'est bizarre. C'est la fameuse boîte en fer qu'ils nous ont montrée et qui doit nous donner des trucs. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose. À chaque fois, j'espère que ce sera de la nourriture. C'est peut-être des bonbons. Oui, ou de l'eau. Je préfère des bonbons. On dirait une boîte d'Halloween ou un décor de film d'horreur. En tout cas, elle a l'air super solide. On est censé l'ouvrir? Au début, on tapait dessus, mais on savait pas ce que c'était. Elle va nous être super utile si on peut pas l'ouvrir. Ça a bougé. Ah, voilà. Il y a un truc. Ah, enfin. Bien joué. C'est quoi? La manitumouche est un champignon très répandu en Sibérie. Les évingues s'en mangeaient et s'en servaient pour leur rituel chamanique. C'était un indice pour qu'on trouve de la nourriture. Ça, c'est évident. Vous allez vous rendre compte qu'on en trouve beaucoup dans la région, mais faites bien attention. Ces champignons sont toxiques si on ne les fait pas cuire. Génial. Je déteste les champignons. Quelqu'un en a vu en venant? Il faut bien regarder l'illustration. Ils mesuraient à peu près cette taille. Ils étaient à peine plus gros qu'une fourmi. Ils étaient minuscules. C'est pas les mêmes. S'il n'y a pas quelqu'un qui mène le groupe, pour moi, on est fichu d'avance. C'est mort. Écoutez, ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de champignons par ici. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Eh, soyez cool. Ils peuvent obéir à ses ordres, c'est à eux de voir. Mais moi, s'il me dit quoi faire, je le ferai pas. Vous allez faire du feu. On fait des équipes, c'est ça? Qui s'occupe des champignons? Moi, je veux bien aller en chercher. Ça me plaît d'être le leader du groupe. Je m'attendais pas à être propulsé dans cette position, mais c'est dans mon caractère de prendre le contrôle des choses en cas de problème. Ça me fait pas peur. Pour moi, le plus important, c'est de trouver de l'eau. Ensuite, c'est de faire du feu. Beaucoup de gens ici m'ont demandé à quoi ça sert de faire bouillir de l'eau. Si on le fait pas et qu'on se retrouve infesté de parasites, on n'a plus aucune chance de gagner ce jeu. Et il se peut même qu'il nous tue. T'as déjà allumé un feu? Ouais, il y a longtemps, chez les scouts. Avant, je savais lancer un feu, mais je m'en souviens moins bien que je le pensais. Vaut mieux les enlever. Faut faire un trou. Et puis tu insères ce bout de bois. Et tu le fais tourner très vite sur lui-même. Parfois, j'exagère un peu ou je mens. Ça m'arrive. Je pensais que ce serait plus facile. Quand on frotte deux bouts de bois ensemble pour faire du feu, ça démarre pas tout seul, comme dans les pierres à feu. Donc, ils étaient quelques-uns à s'exciter autour de leur bout de bois. Mais on aura beau avoir des champignons et de l'eau, s'il nous manque la troisième partie du triangle, de la Triforce, on peut pas boire ni manger. Et ils nous ont confisqué tout ce qu'on avait. Mais j'avais des trucs dans mes bottes. Ils ont pas fait une fouille en règle, comme les flics quand ils vous coffrent. Du coup, j'ai réussi à faire passer de quoi faire du feu. Hey, venez voir. J'avais même des chaussures de marche dans ma valise. On n'a pas les champignons, mais on a trouvé de l'eau. Milian, Tommy et moi, on cherchait des champignons et au final, on n'en a pas trouvé. Mais on a trouvé la rivière. Ça nous a fait beaucoup de bien. Arrête, s'il te plaît. Venez, elle n'est pas si froide. Oh, c'est trop bon, va. C'est trop bon. Allez, Esther, viens te mouiller. J'ai pas de vêtements de rechange. Justement, faut les enlever. Il est bizarre. Il a un sens de l'humour étrange. Mais on s'entend bien. Ça s'annonce bien. On était séparés en deux groupes et on essayait de faire du feu. On avait ramassé du bois et le feu voulait pas prendre. Et lui, il se prélassait. Tu veux pas nous aider? Tous les mecs le font, les filles aussi. Et il y a un groupe dans la forêt qui cherche à manger pour nous. Tu veux pas participer? Ils cherchent pas de la nourriture pour moi. Je peux me débrouiller tout seul. Si j'essaie pas d'aider les autres, c'est parce que... quand ce jeu sera fini, je compte bien être le seul participant restant. Comme ça, j'aurai pas besoin de partager l'argent. J'ai pas besoin que les autres m'aident. Je suis capable d'être autonome. J'ai un atout majeur. Il y a aucune règle. Apparemment, Johnny est un type très centré sur lui-même. J'aime pas Johnny. D'ailleurs, je l'appelle pas comme ça, je l'appelle Cowboy.
Le problème de Cowboy, c'est qu'il ne fait aucun effort. Il respecte pas notre fonctionnement, à savoir que tout le monde doit participer. Cette histoire comme quoi il n'y aurait pas de règles, c'est ce que disent les producteurs. Ça fait bien de dire ça pour une émission de télé-réalité. Mais il y a des règles. Et les gens doivent les respecter. On s'activait tous pour faire en sorte de survivre. Et lui, il s'est dit non. Je préfère bronzer. Ça veut dire quoi, ça, sérieux? Je perfectionne mon bronzage. C'est pour elle que je le fais. Plus tard, elle me remerciera. Hein? Waouh, ça fonctionne. C'est trop fort, ça marche. Ça va prendre là. Ça se voit. Allez, allez, allez. Ça vient. Ça va marcher. C'est bien parti. Et voilà. Allez, ça va marcher. C'est ça, continue. Tout doux. Allez, t'arrêtes pas. Il faut rajouter des brindilles. J'y crois pas. Hé, hey, ça s'éteint. Faut pas en mettre trop. Le héros du jour, c'était mon pote Daniel. Je savais bien que je l'avais pas aidé pour rien. Il a assuré. C'était vraiment un super moment. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé que je me sentais accepté par les autres. Ils me respectaient. Depuis le début, c'était loin d'être le cas. Oh, aïe! Fais gaffe, Georges. Faut des bras. Ah, Daniel, c'est vraiment un mec cool. Le fait d'allumer le feu avec ses lunettes, c'était du génie. Aucun de nous n'avait eu l'idée d'essayer. C'est pour ça que Daniel est beaucoup monté dans mon estime au moment où il a réussi à allumer le feu. On a plein d'eau. Vous avez pas de champignons? C'est rien, ça. On a de l'eau. Mais... c'est l'eau le plus important. Vivre des jours sans manger. Au moins là, on va pouvoir s'hydrater. Vous avez de l'eau? Sans eau, on meurt. Super. Hé, vous m'écoutez? Quoi? Ils sont partis chercher des champignons et ils sont revenus sans. C'est dingue, ça. On a rapporté à boire. Pourquoi vous êtes revenus retourner chercher des champignons, bon sang? On a cherché, il y en avait pas. Je me suis dit, c'est quoi son délire? C'est une blague? Sam, ouais. Je pense pas qu'on pourrait être amis. Quand je suis affamé, je deviens mauvais. Ça me rend méchant. C'est pas une bonne chose. Pourquoi ils nous auraient fait croire qu'il y avait des champignons s'il n'y en avait pas? Sam, s'il te plaît. On pourra aller chercher des champignons demain. En attendant, on a de l'eau et du feu. Et vous allez faire quoi d'ici demain? Je regardais Sam. Il s'énervait, il aboyait sur tout le monde. C'était marrant. Ils vont vite en avoir marre. C'est le premier jour où on a dû faire du feu. C'était long, ça a pris des heures. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas à manger. Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est à ça que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Disons que, officiellement, j'ai rien apporté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben... ils ont pris le sac. Oui. T'as fait passer des trucs en douce? Ouais, exactement. La question que je me pose sans cesse, c'est est-ce qu'elle est honnête avec moi? Parce que, pour ma part, je m'autocensure, je fais le tri. Parce qu'au fond... on est tous en compétition. Vous venez d'où, tous? Moi, je viens du Monténégro. C'est juste en face de l'Italie, dans la mer Adriatique, près de la Croatie. J'aime bien ton prénom, je trouve mignon. C'est gentil. Je le connais pas bien, Miliane. Il fait tout le temps des blagues, il est rarement sérieux, il est drôle, mais j'ai pas confiance en lui. Je le sens pas. On sait quasiment rien les uns sur les autres. On commence à se connaître, tout doucement. Et toi, Daniel? Je viens d'une toute petite ville du Minnesota. Tu fais quoi? Je suis dans l'informatique. Regardez qui vient nous voir. Salut. Salut. Coucou. On va peut-être lui parler. Assieds-toi. Tu peux nous raconter ta vie? C'est ça que vous faites depuis tout à l'heure? Bah ouais. Vous avez faim? Carrément. Tout à l'heure, j'ai cueilli quelques baies dans un buisson que j'ai trouvé. Oh! Si ça vous dit, on peut les partager. Cool.
Ouais. Tu les as goûtées? Ouais. Dis donc, elles seraient pas... Elles sont pas toxiques. T'en es sûr? Je trouve Johnny très intéressant. Comme ça, il paraît arrogant, mais il a un problème. Il a tendance à s'isoler. Je vais le détruire progressivement. Tu fais quoi dans la vie? En fait, j'ai fait qu'un seul métier toute ma vie. Je suis mannequin depuis que je suis adulte. Je suis née en Australie, mais j'ai eu l'occasion de vivre dans plein de pays. J'ai habité à... Ah, la vache, c'est quoi? C'était quoi? On ferait peut-être mieux de rentrer. Oui. Bonne idée. C'était sûrement un ours. Je sais pas, moi ça me faisait pas penser à un ours. C'était quoi? Ah! Oh la vache! Oh merde! Je propose qu'on aille dans les cabanes. Oh! Ouais, faut y aller! Ouais, rentrons. Sam, tu peux venir avec nous? Quoi? Tu viens dans notre cabane? Rentre, Daniel! Ouais, j'y vais. On a entendu un bruit super bizarre qui venait de la forêt. Bah, franchement, j'ai aucune idée de ce que c'était. Je travaille avec les animaux et je peux vous dire que j'ai jamais entendu un truc pareil. J'ai peur. Moi aussi. C'est bizarre. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé hier soir. Aucune. Ça m'a fait super peur. Bien sûr que je savais qu'en Sibérie, il y avait des animaux sauvages, mais... je sais pas. Ce matin, j'étais réveillé, alors je me suis levé. Je suis sorti, j'ai fait un tour... et j'ai vu une grenouille. Je me suis approché... et quand je l'ai vu de près, je me suis dit... oh, y a un truc qui cloche. Johnny, viens voir. Il faut que tu vois ce truc. Regarde. Daniel a trouvé une grenouille mutante. Elle avait 3 pattes arrière. Avec une patte en plus, on pourra nourrir plus de monde, tu crois pas? Ouais, on peut voir ça comme ça. Nathalie, Annie et moi, on est partis chercher des champignons. Et on a dû s'enfoncer un peu dans la forêt parce qu'on trouvait vraiment rien. C'était quand la dernière fois que t'es allé cueillir des champignons? C'est le seul légume que je mange pas. Mais aujourd'hui, j'en mangerai. En fait, c'est pas un légume. Tu savais pas? Oh ouais, c'est un fungi, peu importe. On a pas mal marché en cherchant, mais on trouvait rien. Du coup, Tommy avait tendance à s'enfoncer dans les bois. Et au fur et à mesure, on se retrouvait de plus en plus éloigné des cabanes. On est là que depuis hier. J'avais pas envie de prendre de risques et ça me rendait nerveuse. J'ai trouvé un coin où il y en a plein. D'accord, mais on peut pas venir aussi loin. Tu t'éloignes trop des cabanes. Tant qu'on peut s'entendre, c'est bon, non? Tu sais, on veut pas jouer à Marco Polo avec toi, ok? Tu ferais mieux de revenir vers nous. Jouer au polo? On était parti chercher de l'eau à la rivière. Et en y allant, on est tombé sur une remise en plein milieu d'un champ. Alors on a essayé d'ouvrir la porte, mais il y avait un cadenas dessus. Je pense qu'il faut pas en parler aux autres. Et moi, je pense que ce serait mieux. Non. Pourquoi? Parce qu'on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Et il vaut mieux pas que tout le monde vienne ici. Je leur fais pas confiance. On rentre et on dit rien. D'accord. On fait comme si de rien n'était. Yes! J'y crois pas! C'est génial. C'est Annie et moi qui avons trouvé les champignons et c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde commençait à avoir très faim et à devenir irritable et à s'énerver pour rien. Ça me fait de la peine pour Tommy. Il avait tellement envie de les trouver. C'est clair.
On a fini par tomber sur des champignons. Ils étaient de la même espèce que ceux qui étaient sur le dessin du révélateur. On a des champignons! Ouh! Bravo les filles! Ah! Ah, on va pouvoir manger! Ça va nous faire du bien. On n'en a pas trouvé beaucoup, alors il va falloir partager, d'accord? Oui, bien sûr. Je pourrais avoir un peu d'eau pour les rincer. Il faut qu'on fasse attention à bien les faire cuire, parce que je voudrais pas que quelqu'un tombe malade. Quelqu'un sait combien il faut mettre d'eau? On pourrait utiliser notre sueur pour les saler. Oh, dis pas ça. Faut les surveiller. Il est où, Tommy? Tiens-moi ça. Il était avec vous? Ouais, on l'a perdu. Il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Moi, ça me faisait peur. Personnellement, je voulais pas trop m'éloigner d'ici. Estrogène, tu peux dire le bénédicité? Tu m'as appelé Estrogène? Personne ne t'avait jamais appelé comme ça. C'est évident comme genou. Tu pourrais essayer de rester correct. Oh, ça me plaît. C'est vrai qu'il y a pas mal d'estrogène ici. Paradisien! Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Paradisien! Quoi? Ça va, Daniel? Hé, hey, Daniel! C'est l'un des caméramans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La tête. Aidez-moi à l'emmener. Le caméraman était blessé à la tête et il saignait beaucoup. J'ai pas pu trop m'approcher, mais d'où j'étais, je pouvais voir que c'était sérieux. Ça nous a fait flipper parce qu'on nous expliquait pas ce qui se passait. Tout le monde refusait de nous répondre quand on demandait ce qui lui était arrivé. Bon, chacun reprend ce qu'il était en train de faire. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien. C'est pas l'impression que j'ai. Comment ça, il va bien? Reprenez ce que vous faisiez. Vous voulez pas nous dire ce qui s'est passé? Non. Vous êtes allez. Sérieux? Il avait pas l'air d'aller bien. Dites quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'emmène où? Comment vous voulez qu'on continue? On vous dira tout plus tard. Pourquoi pas maintenant? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il disait? Quelqu'un a compris? Il a dit quelque chose, mais j'ai pas compris. J'imagine qu'il devait parler russe. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Il arrête pas de dire « je les ai vus, je les ai vus ». Ils étaient devant nous. Comment tu le sais? Hmm? Comment tu le sais? Ma grand-mère. Les producteurs n'ont pas l'air très inquiets. On verra bien, faut juste attendre. C'était l'un des plus jeunes. Ça me retourne. Il se fout de nous. Ils ne nous ont toujours pas expliqué ce qui lui était arrivé. Il me semble que Tommy était avec un caméraman. T'en es sûr? On l'a vu s'éloigner. Où ça? Oui, il voulait à tout prix trouver des champignons. Moi, je l'ai vu. Je l'ai aperçu. Quoi? Tu l'as vu? Ouais. Quand? Quand j'étais dans la forêt, quelque part là-bas. Sabina, c'est une énigme pour moi. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de bizarre chez elle. C'est comme si elle savait quelque chose. Faut qu'on se dépêche si on veut partir à sa recherche. Il va pas tarder à faire nuit. Ouais, mais faut rester groupé. Pas question que je mette les pieds dans cette forêt. Vous avez vu ce qui est arrivé au caméraman? Je viens. Moi aussi, j'y vais. Ceux qui veulent l'appeler, suivez-moi, s'il vous plaît. On peut pas le laisser tomber. Daniel, tu restes? Sam, tu veux rester? Tu sais où il est parti? Annie et moi, on peut venir, c'est pas vrai? Voir ce qui est arrivé au caméraman. Mais qui reste là? Je suis à peu près sûr qu'elle a un... Qui veut rester? C'est Sabina qui l'a vu. Tu viens avec nous? Le présentateur arrive. Vous pouvez vous rassembler, s'il vous plaît? Tout à l'heure, il y a eu un accident particulièrement grave. Tommy a été touché. Et malheureusement, il est mort. Pardon? Mais c'est pas vrai! Oui. On s'est demandé s'il fallait continuer l'émission.
Et nous sommes tombés d'accord sur le fait que c'est à vous de décider. J'aimerais que vous preniez du temps pour y réfléchir et nous dire si vous voulez continuer. Si vous quittez l'aventure, nous donnerons à chacun d'entre vous $5,000. J'arrive pas à croire que vous nous parliez d'argent. Je sais. Comment il est mort? On n'a pas encore eu de réponse là-dessus. Je repasserai en fin de journée pour que vous me donniez votre réponse, d'accord? Je viens de me rendre compte que les gens de la production, je crois qu'ils n'en ont vraiment rien à faire. Ce que je comprends pas, c'est que c'est censé être un jeu. Comment il a pu mourir? Comment les producteurs ont pu laisser ça arriver? Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer sa sécurité? D'accord, c'est un challenge et ça peut être dangereux. Mais personne n'est censé mourir. Ça reste un jeu avant tout. C'est vraiment absurde. Ils n'ont pas été en mesure de nous fournir une explication satisfaisante. En tout cas, pas pour moi. Ça me suffit pas. J'ai besoin d'en savoir plus. Je veux des preuves. Quelque chose de concret. On cherche des champignons au chapeau rouge. Et pour l'instant, j'en ai aperçu aucun. Ils sont tout rouges, avec des petits points blancs. C'est plutôt mal barré. Thank you.